Sa chute en 2011 avait lancé la vague des printemps arabes. L'ancien président tunisien Ben Ali est mort ce jeudi à l'âge de 83 ans. Ben Ali se trouvait dans un hôpital de Jeddah en Arabie Saoudite où il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon. Son avocat et sa fille ont confirmé la nouvelle aux médias. L'ancien dictateur avait été condamné par contumace en 2011 à 35 ans de prison pour plusieurs griefs, dont corruption et torture. Depuis sa chute, la Tunisie a doucement pris le chemin de la démocratie et se trouve actuellement en plein processus électoral, avec une présidentielle qui a commencé dimanche et des législatives qui seront organisées début octobre.